Cher futur moi, je te fais cette vidéo parce que j'avais envie de te parler, j'avais envie de te poser des questions. Je veux surtout pas que tu sois triste en voyant cette vidéo, c'est tout ce que je te demande parce que je sais que t'as un gros problème avec le fait de grandir. Je sais que t'as très peur de grandir, mais je veux que quand tu me vois là, que tu sois contente, que tu te dises que voilà, t'as grandi, que t'es plus une gamine, que voilà. Je veux juste pas que tu sois triste de cette époque et que tu veuilles revenir en arrière, etc. J'espère que t'as une vie de famille ou pas, parce que pour l'instant, moi, je veux pas d'enfant. Je t'avoue que si tu en veux, toi, plus tard, je te comprendrai pas trop, mais en vrai, je peux pas savoir comment je serai dans 10 ans, alors pour l'instant, je te comprendrai pas. Voilà. Mais j'espère que t'es heureuse en tout cas dans ta vie, que t'as une femme, que tout se passe bien pour toi. J'espère qu'au niveau famille aussi, tout va bien. J'espère que tu parles toujours à tes proches. Et surtout, j'espère que tu parles encore à Myriam, ta sœur. Parce que, enfin, elle a toujours été là pour toi. Ça a été une épaule sur laquelle tu as pu te reposer toute ta vie. En tout cas, toute ma vie de maintenant, j'ai toujours su me reposer sur elle. J'espère que vous n'avez eu aucune dispute, aucun différend. Si vous en avez eu un, peu importe le fautif, va t'excuser ou va lui parler, je ne sais pas, mais reste pas sans rien faire parce que t'as besoin d'elle. J'espère que t'as eu enfin le courage de parler à ton père sur qui tu es vraiment. Parce que bon, c'est un peu compliqué. Là, ta vie à la maison, c'est un peu compliqué. J'espère que ta relation avec ta mère a évolué un peu parce que bon, c'est un peu compliqué aussi à la maison. J'espère que ta passion pour les films, elle est toujours là parce que t'as une énorme passion pour les films et j'espère et t'as intérêt de pas l'avoir perdue. Parce que vraiment, c'est très très important pour moi et les films, c'est vraiment une safe place. J'en ai besoin. C'est quelque chose dont j'ai extrêmement besoin. Pour l'instant, dans le cinéma, je t'avoue que je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai quand même une envie de devenir actrice. Donc, j'espère un peu qu'on a réussi ce projet. J'espère un peu quand même, parce que pour moi, en vrai, je me dis que là, c'est pas enfin réussi. Je pense que je vais avoir beaucoup d'obstacles et j'ai peur de ne pas réussir à les surmonter. Mais en tout cas, j'espère que la toi de peut-être dans 10 ans a réussi à devenir actrice. J'espère que tu as toujours ce style-là. Hein, parce que pour moi, enfin, en soi, je sais pas. J'espère que quand tu vas me voir dans 10 ans, tu vas pas me trouver moche. Parce qu'en fait, je veux vraiment rester comme ça toute ma vie. J'espère que tu t'es fait au fait qu'on a un garçon manqué. J'espère que tu vas l'accepter parce que là, ça va faire quand même 4 ans que voilà, je m'assume entre guillemets et que j'assume mon côté garçon manqué et j'ai toujours du mal à l'assumer parce que ça me paraît quand même un peu bizarre que des fois on peut me confondre avec un garçon et tout, enfin bref. Et j'espère que tu t'es fait à ça, que notre style, notre façon d'être, ça se trouve, t'as totalement changé, je sais pas, je peux pas savoir, mais je pense pas, c'est très très. Enfin, nous connaissant. Je pense pas qu'on ait forcément changé de style parce qu'il y a comme ça qu'on se sent bien. Franchement, j'espère juste pour toi que tu as réussi ta vie, honnêtement. Enfin, je sais que là, tu vas lire, enfin, quand tu vas regarder cette vidéo, je vais avoir quoi? 28 ans? 27 ans? Bon, à 27 ans, on est encore un peu jeune pour avoir entrepris tout ce qu'on veut entreprendre dans une vie. Mais j'espère que tu as déjà fait la moitié. J'espère que surtout que tu es en bonne santé, c'est le plus important pour moi. J'espère que vraiment tu es en bonne santé. Et voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais te demander. Et j'ai tout ce que je voulais te dire. Donc, attends, disons. J'agis sans vraiment songer aux conséquences. Puis, c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui. Mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible. Le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire. J'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites, cher futur, je te l'avoue. Parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah. Cher futur moi, ah ah.